Podcast, bilan lecture, juillet 2024. Bonjour tout le monde, il est l'heure de faire le bilan de mes lectures du mois de juillet. J'ai lu 4 romans et un roman graphique, pour un total de 2007 pages. Le premier roman est le tome 1 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, une lecture mitigée. Le deuxième roman est le tome 5 de la saga Heartstopper d'Alice Osman. Il s'agit d'un roman graphique. C'est une lecture que j'ai bien aimée. Le troisième roman est « À moi la nuit, toi le jour » de Bess O'Leary. Le deuxième roman de l'auteur que je découvre. Je l'ai bien aimé. Le quatrième roman est le tome 1 de la saga The Prison Healer de Lynette Nomi. Ce livre a beaucoup fait parler de lui. Une bonne lecture pour ma part. Le cinquième et dernier roman est le tome 2 de la saga Bureau fédéral de la magie d'Annabelle Chase. Une très bonne suite de série. Tous mes avis sont disponibles sur le blog. En bref, de bonnes découvertes. Et vous, qu'avez-vous lu? Voilà, ce n'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!